Actu Agité. Nous sommes le lundi 13 avril 2015, il est 21h33. Et nous allons commencer par Johan, les Breaking News. Si on vous voit zapper sur TF1, on vous pète les deux jambes. Donc première actu de Breaking News, la disparition de deuxième année. Ils sont actuellement introuvables. Hier soir, nous avons eu la chance d'avoir Rachel de Santos Pereira de la Vega à Périgueux qui nous a présenté son dernier single, un triomphe. Alléluia. Nous avons aussi reçu des nouvelles de Simon Villega, dit Abdel El Mokhtar, que nous avons retrouvé en Syrie pour une légère interview. Salut les TC, quelques nouvelles de la maison. Bon, j'ai un peu prolongé mon séjour, l'ouvre-bois, tout ça, ça manque et tout, il fait beau. Mais par contre, j'ai acheté une super femme. Hugo vient d'être contrôlé positif à l'EPO après sa performance d'avoir soulevé 2,36 tonnes avec les mains. Rubrique santé, nouveau fléau chez les jeunes TC. La maladie du vendredi matin qui persiste pour une grande partie du groupe 3. Et bourse pour finir, suite à une forte augmentation de la consommation d'alcool chez les TC, le cours de la bourse a augmenté de près de 200% en une semaine. Incroyable. Vous connaissez tous, il boit depuis l'âge de 3 ans. Il est toujours debout. Julien Le Sage, le rescapé des deuxième années. Bah écoute, un diplôme. Veuillez nous excuser, petit problème technique, son alcoolisme perdra, je crois. Ouais. On va passer. Info TC, un groupe 3, une nouvelle vient de nous arriver, Johan fait toujours autant malin. Mais oui, c'est clair. Oui, excusez-moi de vous couper. Flash info spécial, on a retrouvé des techs de co en train de travailler. Merci d'avoir suivi les actus agités et tout de suite, Miss Météo. Bah, il fait beau, hein.